السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى جينو دا سورة نف سورة التوبة آية 136 إن عدة الشهور عند الله certainement le nombre de mois auprès d'Allah. Déjà, quand c'était le mois qui est là, 12 chahra, il y en a 12 mois. Fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Dans le livre d'Allah, veja Allah bin Mahfouz, depuis le jour qui finit faire la création, les ciels et la terre. Minha arbaratun hurum. Là-dedans, il y a 4 mois qui sacrés. Zalika dinul qayyim. C'est un din, un mode de vie qui est droit, qui est complète. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Qu'ils ne pas faire cette même vidéo là-dedans. Sa ayat là, chers frères, puis rappelle nous-mêmes les temps. Connaître les temps, ils viennent de différentes façons vers nous. À la minute, les temps, par jour, semaine, mois, ou bien l'année. Cela, c'est les temps. Là, Allah subhanahu wa ta'ala les divise. Par exemple, quand il fait telle heure, il doit accepter. Ça, c'est quelques heures. Quand il fait tel jour, le jour de vendredi. Quand il fait tel mois, il y allait comme ça. Mais ici, dans ce ayat-là, il peut dire à nous, auprès des lits dans l'or, il marfouz. Quand il amène la création, il mettait qu'il est la terre pour 12 mois. Qu'est-ce qu'on peut causer là? Depuis quand il finit qu'on est 12 mois. Mais seulement dans ces 12 mois-là, il dit à nous comme ça, Arbaratun Hurum. Il y a 4 mois qui sont haram là-dedans. Haram ici veut dire sacré. Qui veut dire un mois sacré, un jour sacré, une place sacrée? Il dit à nous, Zalika dinul Qayyim. Ça dit là, dit droite, veut dire ça qu'il finit décider là. Pas pour ça, on sait ça. Ensuite, il dit Fala. Ça Fala. Donc, la cause, tout ça détail qui fait que donne nous là, le nombre de mois 12, depuis création des cieux et la terre, dans le livre auprès d'Allah, la donne à 4 sacrés. Donc quoi? Fala tadlimu. Pas faire eux même du tout de ces 4 mois-là. La question qu'on nous prend à l'élève, qui veut dire sacré? Faire différence entre une petite chose qu'on dit grand dans lui-même avec une petite chose qu'on dit grand à travers valet qui est là. On guette montagne, puis d'abord, sorry, sinon, les grands oui non, les grands. Mais seulement, je prends un diamant, comme on dit, un macadam, je mets devant vous. Laquelle qui vous choisirez, montagne là ou bien diamant là? Montagne là, les grands, dépose au grandir. Diamant là, les grands, dépose au valir. Ça, 4 mois sacrés là, en 2 mots, peut faire nous réaliser, peut rappeler nous-mêmes, ben une bonne action qui nous fait là-dedans. Ce valet qui lui prend forme, il y a plus de valet
autre que ça banne les autres, ça banne les autres moi là. C'est pour ça qu'il donne un mois sacré ou pour gagner ban jour qui ban pilier de l'islam joint dans tout là-dedans. C'est quand on rentre dans le Hijja. Ou on fait Hajj. Un djimoun God Rosa de 10 premier, il fait un namaz et un djimoun bizant tient sur zakat là-dedans et nous tous les shahada de sa ban monde. C'est le ban jour ça frère. Hajj, tu me dis là-dedans? Qui ça 4 mois sacrés là? Ça qui nous a commencé hier, ou bien avant hier, pour celui qui suivait international, le mois Zul Qaada. Le mois Zul Hijja et le mois Muharram. Ça 3 mois là. Ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a des hadiths, thalatha mutawaliyat, trois qui viennent après l'autre. Ensuite, quatrième, ça qui vient avant, Shaban, c'est le mois Rajab. Ça, quatre mois là, quatre mois sacrés, frère. Ça sort d'accord qu'il va habiter faire. Si, quand on fait l'im mercredi ou bien mardi, quand tu as là, vous avez une récompense, ouais? Inch'Allah, vous avez une récompense, vous trouvez là où balance au Qiyama. Mais aujourd'hui, ça qui vous peut donner là, il fait plus pour lui, parce qu'on donne ça d'un mois sacré. Tout le monde a une bonne action, allez comme ça là. Ou habitez mort, si on vit namaz, pour chaque pas où gagne récompense, Allah pardonne un péché, augmente tout dans l'ordre pour un. À partir d'aujourd'hui là, jusqu'à la fin Muharram, chaque pas qui vous fait, vous gagne plus récompense, pas la quantité, mais le valeur récompense que vous gagnez. C'est un mot sacré, frère. C'est pour ça que dans la loi dit, nous n'avons pas le droit de la guerre dans un mot sacré. Ou elle perdit le temps. Quand nous disons perdit le temps, je ne sais pas côté dit. Ou elle dit, ou pas l'engage, parce que tu te peux concentrer dans de bonnes actions là. Malheureusement, par l'ignorance de certaines petites choses, nous concentrer juste sur le Ramadan pour nous faire bonne action. Ni bon, mais ban les autres mois là. Vous avez ban une bonne action, à peine même valer. Non, pourtant le mois Ramadan est un mois sacré, frère. Le mois Ramadan est un mois béni. Et la bénédiction là-dedans. La preuve, c'est que la guerre des Bads, qui prend place dans le mois Ramadan. Dans le mois sacré, nous ne pouvons pas déclencher la guerre. Donc, juste pour nous réaliser, ça 90 jours qui peuvent venir devant nous là, pas sous-estimer aucune bonne action que vous faites, frère. Que nous pouvons faire ça dans le mois sacré. Mais, nous dire bien, mais, il y a de la panne vide pour ça rappeler là. Ah, il y a tellement de boulets contraires, frère. Fala tazlimu fihin anfusakum. Fala tazlimu fihin anfusakum. Arrête de faire péché dans ces 4 mois-là. C'est là qu'il y a tellement de gens, frère. Ça péché qu'il nous fait dans ces 4 mois-là. Là. Son gravité plus grave. Par exemple, je vais faire lire dans les autres mois-là. Qui sont faire lire lundi. Parce que moi, tu es courant de mon sacré, là. Allah subhanahu wa ta'ala explique-nous. Ça, 4 mois sacrés, là, pas juste pour l'encouragement, pour nous faire bonne action. Mais l'autre côté, l'idée à nous, Fala tazlimu fihin anfusakum. Toi, tout n'as pas fait l'idée du tout de ça, 4 mois-là. Faire du tout, ici, c'est quoi? C'est pas faire au péché. Pas banalise aucun péché qui nous fait là-dedans, frère. Péché, c'est péché. Péna sortir de là. Tout péché désobéit à Allah. Mais seulement conséquence qu'il est capable de faire de nous la vie. Quand nous faisons dans ces 3 mois-là, il est beaucoup plus grave que ce que nous faisons devant les autres mois. Tu n'as pas fait bonne action? Ok. Mais on ne peut pas faire péché là, l'os. On ne peut pas faire péché là.
un péché capable de prendre une conséquence lo en di moun pour être malade. Mais seulement dans moi sacré, sa péché là fait ligue un malade incurable qui besoin vivre resté parce que tu ne fais péché dans moi sacré toi. Ça sous gravité frère. Donc en même temps qui nous rappelle nous-mêmes, encourage nous-mêmes pour faire bonne action, chers frères, au moins de l'autre côté. Si pas pour faire bonne action là, mais pas faire péché là seulement. Pas faire péché là. Il faut que ça grave. Grave de qui façon? Conséquence qu'il est capable de venir à l'eau nous la vie, dans la case de Reguet sur la 9, ayat numéro 36. Et lié à l'issue tout quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pas faire cette même vidéo là-dedans. Imaginez-nous si Allah peut dire nous pas faire ça. Qui a été dit qu'on est dit qui a été ça grand frère. Vous connaissez, c'est pas une djimoun, c'est pas moi, c'est pas n'importe qui. Allah même dit à nous pas faire péché de ça pas moi là. Qui qualité dit beaucoup grave. Des côtés ce conséquence. Un djimoun qui fautait de sa vanne, moi-là. Et quand nous disons pour terminer, chers frères, nous tous enfants Adam. Peu n'a personne qui a passé 90 jours là sans faire péché là. Peu n'a pas existé. Mais seulement s'il n'arrivait une faute, demande à la pardon de suite. Fais-lui être suivi d'une bonne action tout de suite. Tiens ça d'accord de suite. Peu n'a personne qui a resté sans faire péché, frère. Nous enfants Adam, nous. Mais je ne vais pas persister dans le péché là. Et demander à la pardon de suite. Et faire être suivi d'une bonne action. Inch'Allah, ça couvert nous manquons qui nous est là. Afin que ça ne permette pas de conséquences. L'ONU, quand nous débouchons devant Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.